Hello ma petite licorne, j'espère que vous allez bien, moi ça va hyper bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le juste prix, donc c'est parti. Je vais vous expliquer vite fait les règles du jeu. Donc je vais devoir prendre un objet. Donc je vais noter sur mon petit téléphone qui est juste là le prix exact de l'objet que je veux. Et maman, si elle ne trouve pas, elle doit me l'acheter. Elle le trouve, elle ne doit pas me l'acheter. Et on passe à quelque chose d'autre. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris. Donc on va commencer. Maman, tu es prête à deviner cet objet? Cet objet ridicule là? Oui. Bon oui. Hein. Donc tu as 15 secondes pour deviner. Alors, t'es prête? Yes. Go. 1 euro. Plus. 2 euros. Plus. 3 euros. Plus. 4 euros. Plus. 5 euros. Moins. 4,50 euros. Moins. 4,60 euros. Plus. 4,70 euros. Plus. 4,80 euros. Fini. Ah. Tu dois l'acheter. Et il coûtait combien? Il coûtait... Il coûtait 4,75 euros. Bon voilà, c'était j'ai perdu, proche. Je dois l'acheter. Voilà, du coup on va le mettre dans le panier. Et du coup on va passer à un... deuxième article. C'est parti. Maman, tu es prête à deviner ceci? Oui, c'est très très joli, en tout cas j'aime bien, c'est les couleurs de ta chambre. Oui, donc 15 secondes, donc. T'es prête? Oui. Parti. 1 euro. Plus. 5 euros. Plus. 10 euros. Plus. 15 euros. Moins. 11 euros. Moins. 10,50 euros. Moins, mais c'est dans les 10. Trop tard. Donc tu dois j'ai perdu, je suis obligée de l'acheter. 10,90 euros. 10,90 euros, d'accord. Bon j'étais pas loin, j'avais dit 11 euros. Oui, t'étais pas loin. Bon du coup, on passe à un autre objet. Oui. Maintenant, maman, tu vas devoir deviner ceci. Des nouveaux Lunch Kittles. D'accord. Donc, tu as 15 secondes. Ça marche. T'es prête? Oui. Go. 1 euro. Plus. 2 euros. Plus. 3 euros. Plus. 4 euros. Moins. 3,10 euros. Plus. 3,50 euros. Plus. Fini. Bon, tu dois l'acheter. Bon, je dois acheter ceci. Donc, maintenant, on va prendre quelque chose d'autre. Bon, j'ai perdu tout pour le moment, donc faut que je trouve le prix maintenant, parce que j'ai pas envie de l'acheter, moi. Oui, bon, acheter, donc on va prendre quelque chose d'autre. Donc, maintenant, maman, tu vas devoir deviner ça. Yes. Et Cyrène va dire plus sur moi, parce que moi, des fois, je me perturbe. Ça marche. Donc, je lui montre le prix. Tu retiens. Et donc, maintenant, on va... mettre le chronomètre. Donc tu as 15 secondes. T'es prête? Oui. Go. 30 euros. Moins. 20 euros. Moins. 10 euros. Moins. 5 euros. Plus 1. 6 euros. Avec quelque chose d'autre. 7 euros. Non. J'ai perdu. Tu dois l'apprendre. Bon du coup on passe à un autre objet? Oui. C'est parti. Maman, maintenant tu vas devoir deviner nom-noms. Ah, t'aimes bien ça en plus. Oui. Donc t'es prête? Yes. Go. 6 euros. Moins. 5 euros. Moins. 4 euros. Moins. 3 euros. Moins. 1 euro. Moins. Plus. 1,50 euros. Plus. 1,70 euros. Plus. J'ai perdu, je dois l'acheter. 2 euros. 2 euros pile. Bon, j'aurais pu trouver en plus, hein. Mince. J'ai pris un truc facile en plus, hein. Moi, tout à l'heure, je me suis dit, oh, mais mince, elle va trouver, je suis bête. Tu me disais ça. Bon, on va ailleurs. Oui. Maman, est-ce que tu es prête? Oui. Mais ceci. Alors, c'est quoi? Une serpillère. Voilà, c'est une serpillère. C'est une serpillère. Tu me la montres de plus près. Ici, on peut mettre de l'eau dedans? Oui. Balai spray flexible. D'accord. Je suis prête. Tu me donnes le téléphone, Cyrine, s'il te plaît. Merci. Donc, on est prête? Tu es prête? Oui. Go.
20 euros. Moi. 15 euros. Moi. 10 euros. Moi. 9 euros. Plus. Plus. 9,80 €. Plus. 9,90 €. Oui, tu l'achètes pas. Bravo, je l'aurais voulu, mais bon, tant pis, j'ai trouvé le prix. J'aurais bien aimé l'avoir pour chez moi. Hein. Bon, maintenant, tu vas devoir deviner ces rideaux roses. Yes. Donc, t'es prête? Oui. Go. 1 euro. Plus. 2 euros. Plus. 3 euros. Plus. 4 euros. Plus. 5 euros. Plus. 6 euros. Moins. 5,50 €. Moins. 5,45 €. Oui. Pile poil. Trop forte. Donc je dois les reposer. Bah ensuite non, on a pris ça, donc c'est un aspirateur à vapeur. Un balai vapeur, d'accord. Oui, et ça servira pour 2 ans. D'accord, non, enfin c'est garanti 2 ans. Oui, donc j'espère que tu vas deviner ou tu vas pas deviner peut-être. Bah je sais pas, on verra bien. Donc, j'ai toujours le minuteur, tu sais c'est quoi le prix? Oui. Ok, c'est bon. T'es prête? T'es prête? Oui. Go. 60 euros. Moi. 50 euros. Moi. 30 euros. Moi. 20 euros. Plus. 22 euros. Plus. 23. Plus. 24. Plus. 13. 14. 25. 15. C'est fini. Bon, je suis obligée de l'acheter. Oui, c'était 24,73. Bon, on l'achète. Ouais. Bon, c'est parti et puis on vous montre tout ce qu'on a acheté à la maison. Nous sommes rentrés à la maison, donc je vais vous montrer tous les articles que maman n'a pas réussi à retrouver le prix. On va commencer par le premier article que je lui avais demandé de trouver. C'est ce petit chat qu'elle n'avait pas trouvé. Fais ça. En fait, j'en ai pris un peu pour Cyrine, un peu pour moi. C'est trop bizarre ce truc. Ouais. Il sort. Sort des orbites. Ensuite, j'ai pris cette déco. Voilà, elle est trop belle. Donc, on peut l'accrocher là, avec ça. On peut l'accrocher au mur. Donc, ça ira dans ma nouvelle chambre. Alors, par là, la belle vie, j'aime, la bohème et dream. J'aime beaucoup les couleurs, en plus c'est les couleurs de ta chambre, donc c'est parfait. La bohème, ça... Ensuite, j'ai pris un homme, donc maman ne sait pas lequel j'ai eu, et vu que j'étais trop pressée de l'ouvrir, et en fait, je l'ai ouvert, et du coup, j'ai plus l'emballage, j'ai plus le paquet de yaourt nom. Donc, maman, t'es prête à voir? Oui. 1, 2, 3. Un hamburger. Un hamburger d'anglais. Un quoi? Un hamburger anglais. Anglette. Anglais. Ah. Et donc le voici de plus près. Il est trop beau. Et voilà. T'as eu quoi d'autre après? Alors ensuite j'ai pris ça. Donc les nouveaux Lolis Kitty de biberon. D'accord, et bien sûr je n'ai pas trouvé le prix. Je m'en serais bien passé, j'aime pas trop ces trucs là moi. C'était 2,30 €. Oui, non, c'était un peu plus cher. On vous remettra de toute façon les prix sur là ou de l'autre côté. On l'a ouvert avec Cyrine. Et il y avait quoi dedans? Celui-là que Cyrine voulait. Elle a eu celui-là qu'elle voulait. Si j'arrive. Donc c'est la pâte rose. D'accord. Pas la blanche ou la marron. À chaque fois, t'as des pâtes roses, toi. Ouais. Et c'est quoi? Petit chat comme ça. Un petit chat tout mignon. Ensuite, maman n'a pas trouvé le prix de ça. Donc c'est une pomme de douche. Voilà. Et en fait, ça s'allume. En fait, l'eau, elle s'allume en couleur. C'est vraiment classe. Au début, je me disais, mais c'est quoi ça? Ça a l'air nul et tout. Mais en fait, dès que j'ai vu les couleurs là, de l'eau qui s'allume, en fait. Tu t'es dit, hop, je vais essayer de lui faire trouver le prix. Ça a l'air bien sous la douche avec de la couleur et tout. Mais je sais pas si dès qu'on prend un bain, et dès qu'en fait on arrête l'eau qui coule, et ça reste en couleur. Ah bah non. Oh. C'est que sous la pomme de douche. Dommage. Je la trouve trop belle. C'est bien. Mon papa il va l'installer et on essayera. Oui, on la testera. Dès qu'on prendra notre douche et tout et tout. Maman n'a pas trouvé aussi le prix de au moins 100.
me suis dit, mais pourquoi pas lui prendre une serpillière chaude. C'est une serpillière, je crois. En fait, faut que tu le tournes, parce que là, c'est pas le côté français. Ah, c'est le côté là. Donc, c'est un balai à vapeur. Voilà, et donc, ils dureront deux ans. Il est garanti 2 ans. Voilà. Alors, il chauffe à 1300 watts et en 20 secondes. Donc, voilà, ça... Et là, le balai est rotatif à 180 degrés et a un cap de 3,5 m. Tête rotative 180 degrés. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je trouve ça bon, sympa. Bon, ben, ouais, ça a l'air sympa, je connaissais pas. En plus, la serpillière, t'as juste avant, dès que, tout à l'heure, en fait, j'ai fait tomber de l'eau et du coup, t'avais à faire ça. Alors que, ouais. Avec ça, je pense que... Ça sera peut-être plus pratique. Oui, t'as juste à faire ça, laisser un peu et après, ça, juste en fait... Juste à passer un coup. Voilà, ça, c'est ça. Et ça passe. Et que, en fait, ça laisse pas de l'eau par terre. C'est pas mouillé, en fait, je pense. Ouais, bah on testera, puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Oui, donc on testera peut-être sur Instagram. Ouais, pourquoi pas. Ça a l'air sympa, en tout cas. C'est vrai. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse cette vidéo. Et dans quel magasin? Donc ça peut être un magasin de jouets, un magasin de vêtements, oui. Ou alors plusieurs magasins différents. Voilà. Et dites-nous aussi si vous voulez que cette fois-ci, ça soit Luna qui devine le prix. Oui, ça serait très sympa. Et comme ça, je te l'achèterai, ça te fera plaisir. Voilà, c'est ça. Si... Après, je peux trouver des choses pour toi aussi. Hein. Oui. Et si tu trouves pas le prix, ben... Je l'achèterai pas. On l'achètera pas. Si tu trouves pas le prix, t'es obligé de l'acheter. Et oui. Si tu trouves le prix, ben, on l'achète pas. Même. Ouais, c'est sympa comme challenge. Parce que comme ça, aux enfants, en fait, ça aide à savoir les prix et tout. Voilà, je trouve que c'est très bien. Oui. Je remercie beaucoup Jiffy de nous avoir encore envoyé une carte cadeau. Bisous, bisous. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces licornes, des commentaires licornes. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous, petit piquant.